Mes chers amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue à Toulouse. Cher Jean-Luc, merci à toi de nous accueillir dans cette belle ville qui, grâce à toi, depuis mars dernier, a repris des couleurs. Quelle joie de vous retrouver ce soir aussi nombreux dans cette salle. Pas de doute. Il y a encore dans ce pays des citoyens debout, des citoyens qui veulent se battre pour leur avenir, pour celui de leurs enfants. Et vous en êtes la preuve ici ce soir. Vous donnez l'exemple. Celui que nos concitoyens attendent pour à leur tour se lever et se mobiliser. Chers amis, ce soir, en votre nom, il me revient le plaisir d'accueillir l'homme qui a pris une longue parenthèse, trop longue à notre goût, injuste, injuste parenthèse électorale, car fruit d'un mensonge, du mensonge socialiste, a décidé de revenir. A décidé de revenir parmi nous pour ouvrir une nouvelle période déterminante pour l'avenir de notre famille politique et plus largement pour la droite et le centre. Il me revient donc l'honneur d'accueillir celui qui fut notre président. Président d'une République française prête à relever les grands défis du moment, d'une République en ordre de marche, dans un monde de plus en plus chaotique. Président d'une République française qui offre justice et sécurité aux siens, d'une République en mouvement, qui réforme sans complexe. Président d'une République française qui protège ses citoyens, d'une République qui fait entendre sa voix, d'une République moderne et dynamique, d'une République qui fait le pari de sa jeunesse. Et je veux d'ailleurs saluer les très nombreux jeunes présents ce soir. Chers amis, je vous demande de vous lever et d'applaudir notre président de cœur, Nicolas Sarkozy. Cher Nicolas, Monsieur le Président, bienvenue à Toulouse, au cœur du Sud-Ouest, terre qui doit tant à la clairvoyance et au volontarisme en politique, valeur qui te caractérise. Il y a presque 50 ans, sans le rôle décisif du général de Gaulle, et il y a 5 ans, sans ton action, cher Nicolas, nous n'aurions pas aujourd'hui, ici, les fleurons de l'économie française et européenne dans les domaines de l'aéronautique et de l'espace. Nous savons, ici, plus qu'ailleurs, ce que nous te devons. L'organisation de notre économie en pôle de compétitivité, c'est toi. C'est aujourd'hui un des facteurs clés de la réussite de notre économie locale. La mise en ordre de marche de l'enseignement supérieur, de la recherche, avec une nouvelle organisation, des moyens financiers accrus, c'est encore toi et c'est un des atouts majeurs de notre ville. Toulouse et la France te doivent beaucoup, Nicolas. Si Toulouse est fière de son identité, généreuse, ouverte et plus que tout combative, mais cette ville a aussi du caractère et de la mémoire. Elle l'a montré à de nombreuses reprises. J'en veux pour preuve la parenthèse refermée ici en mars dernier par Jean-Luc Moudenc, parenthèse de l'incompétence, de la vanité, parenthèse de l'incompétence, de la vanité, de l'idéologie et du gaspillage socialiste. Oui, Toulouse est à l'image de la France, cher Nicolas. Nous devons nous préparer à refermer la parenthèse du gâchis, mais pour cela, relevons la tête, fixons un cap et battons-nous de toutes nos forces pour les Français. Alors, pour nous remettre en ordre de marche, rassemblons-nous, rassemblons tous les talents nombreux de notre famille, tous,
sans exception, et d'autres, bien au-delà de nos rangs, nous rejoindront très bientôt. Merci Nicolas, merci d'avoir donné le signal. Tu nous as une fois encore remis en mouvement et tu as su impulser un nouvel élan. Depuis ton retour, nous ne sommes plus uniquement des opposants dénonçant l'échec d'un gouvernement sans projet. Sans cohérence, incompétent, nous avons repris collectivement le goût de l'action, le goût du débat et, si j'osais, je dirais le goût de la victoire. Nous sentons enfin autour de nous renaître l'espoir. Et avec toi, nous allons concrétiser tout ça. Je veux te dire, cher Nicolas, que nous sommes prêts, que Midi-Pyrénées s'est levé pour toi ce soir. Je veux saluer d'ailleurs ici nos amis parlementaires, les élus régionaux, les élus départementaux, l'ensemble des élus municipaux présents ce soir. Je veux saluer également celles et ceux qui ont organisé ce meeting et contribué à sa pleine réussite. Les militants, les adhérents, les sympathisants, les cadres des différentes fédérations de notre région et bien au-delà, l'Aude, la Gironde. Notre pays, cher Nicolas, a besoin d'être réformé en profondeur. Et nous le savons tous, ton expérience et ta détermination font de toi l'homme de la situation. Alors, mes amis, l'heure est à la mobilisation. Et je sais, ici, plus que partout ailleurs, que je peux compter sur vous. Vive le mouvement, vive la réforme et avec toi, Nicolas, vive l'espérance redonnée aux Français. C'est moi qui pose la première. Mes chers amis, avant de répondre à vos questions, je voudrais d'abord vous dire que pour moi, c'est très bouleversant et très émouvant de vous retrouver après 2 ans et demi, si nombreux, si mobilisés, si prêts à recommencer la longue marche que nous devons à notre pays. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est que tous, nous souffrons de voir la situation de la France, la 5e puissance du monde, qui aujourd'hui va quémander à nos partenaires allemands d'aller un peu moins vite parce qu'on n'arrive pas à suivre. Et franchement, ici, dans cette région, dans cette ville, où on a un tempérament dont je me sens si proche, Laurence, que je ne qualifie pas, mais je m'en sens proche, la fierté, la certitude qu'on n'oubliera jamais d'où on vient, l'amour pour son territoire, le bonheur qu'on a de vivre dans cette ville ou dans cette région. Et quand on pense à ce qu'a fait le général de Gaulle de notre pays et qu'on voit la situation humiliante où nous nous trouvons, en train de regarder si la Commission va accepter ou refuser un budget tellement mal préparé par le gouvernement de la République, ça fait honte. Ce n'est pas une question de droite, ce n'est pas une question de gauche, c'est simplement une question qui concerne tous ceux qui aiment la France, tous les Français. Je voudrais vous dire que, pour moi, je voudrais à travers de vous pouvoir m'adresser à tous ceux qui aiment notre pays. Parce qu'au fond, quand il va falloir redresser le pays, quand il va falloir réparer tout ça, nous ne devons pas répondre aux attentes de nos compatriotes avec une idéologie, avec un sectarisme. Nous devons compter sur toutes les énergies, sur toutes les intelligences pour relever notre pays. Et parfois, on me dit, mais enfant, mais pourquoi tu es revenu
Parce que franchement, quand je vois la situation du pays, quand je vois qu'un certain nombre de nos compatriotes, dans votre région, comme dans toutes les régions de France, sont tellement en colère, se sentent tellement humiliés, tellement peu respectés, ont tellement perdu tout espoir, qu'ils font des choix qui ne sont pas des choix d'adhésion, mais une volonté de taper du poing sur la table pour dire « ça suffit, on n'en peut plus ». Moi, je ne peux pas me résoudre à voir un pays comme le nôtre, qui a son histoire, qui a sa culture, n'avoir comme seule alternative que de choisir entre l'humiliation d'aujourd'hui ou l'isolement de demain avec le Front National. C'est pas possible. Il faut que vous ayez un autre choix. Et croyez-moi, moi, je ne reproche à personne ces choix. Chacun, vous savez, la vie est difficile. Elle est difficile pour tout le monde. Et je sais très bien que quand quelqu'un souffre, on ne reproche pas sa souffrance à quelqu'un. On essaie de l'apaiser. Quand quelqu'un a peur, on ne reproche pas sa peur à quelqu'un. On essaie de le rassurer. Et à ceux qui ont été déçus, par nous ou par moi, je suis là pour répondre aux questions. Et j'y répondrai. On ne leur en veut pas de cette déception. On essaie de leur montrer qu'on les entend, qu'on les comprend, et qu'eux-mêmes doivent comprendre pourquoi on a fait tel ou tel choix. Mais que les choses soient claires entre nous. Je ne prendrai pas de leçon de Mme Le Pen, qui au moment des élections présidentielles de 2012 a fait le choix conscient et inadmissible de donner un coup de main à François Hollande. Elle est complice du désastre actuel. C'est ça la vérité. Elle n'est pas ailleurs la vérité. Elle est là. Parce que dans la vie, chacun doit assumer ses responsabilités. Et moi, je ne fuirais pas. Mais quand il fallait se battre pour empêcher cette majorité de gagner, quand il fallait se battre pour éviter le désastre qui était prévisible, quand il fallait dénoncer le mensonge, Madame Le Pen, elle était du côté de ceux qui préparaient le désastre et du côté de ceux qui mentaient. Voilà la réalité. Elle est là, la réalité. Elle n'est pas ailleurs. Et puis nous, ce paradoxe, Jean-Luc, de cette famille politique, vous savez, pendant 2 ans et demi, Laurence, qui est adorable, elle dit, tu as pris une longue, longue parenthèse. Oui. Non, tu as dit injuste, d'accord, mais longue quand même. Et c'était long. Bon, oui ou non, après toutes ces années d'engagement, mais si vous saviez comme j'ai regardé les choses de près, parce que moi, la France, elle coule dans mes veines comme mon sang. On ne peut pas se... Est-ce que vous comprenez que l'attachement que j'ai à mon pays, que j'ai pour mon pays, la proximité que j'éprouve pour nos concitoyens, ça ne dépend pas d'une victoire ou d'une défaite. C'est un choix de vie. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un choix. Je suis comme ça. Et jusqu'à la fin, je serai comme ça. Et j'ai donc regardé les choses. Et je les ai regardées de très près. Différemment, mais très près en même temps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser, ces 48,5% de gens qui ont espéré, qui se sont battus magnifiquement dans une campagne où on avait tout contre nous et qui nous voient depuis 2 ans et demi nous diviser, nous détester, nous détruire et d'une certaine façon nous ridiculiser. Elle est là, la vérité. Et ne croyez pas, je le dis à mes amis élus, à mes amis parlementaires, je prends ma part de responsabilité. Il ne s'agit pas de dire qui a raison, qui a tort. Il s'agit simplement de regarder les choses en face. Pendant 2 ans et demi, nous n'avons pas donné le visage que nous aurions dû donner. Nous n'avons pas travaillé comme nous aurions dû travailler. Et heureusement, il y avait des équipes et des élus qui, sur le terrain, n'étaient pas embarqués dans les bisbilles nationales. Et ça nous a permis d'avoir le magnifique succès de Jean-Luc avec toute son équipe, Laurence, à Toulouse. C'est pas... Moi, je le connais depuis longtemps. Aujourd'hui, tu as plein d'amis. Hier, vous avez raison. Moi, je l'ai vu quand il en avait moins. Mais il y croyait. Il était humble, mais il savait que c'était possible. Et d'une certaine façon, je me suis dit, mais bon, il y a le problème du Front National. Il y a l'effrayante succession de mensonges de François Hollande. Qu'est-ce qui reste du « moi, je » président ?
Et vous savez ce qui est dramatique? C'est quand il ment comme il ment, il ne fait pas simplement du mal à lui, il fait du mal à tous les responsables politiques et à tous les élus dans notre pays. Parce que si lui, là-haut, ment, la question de la confiance, qui est la chose la plus difficile à créer, elle est clairement posée pour nous tous. Et donc c'est pour ça que je vais leur dire, je reste à la maison, il n'y a pas de problème, je ne m'en occupe pas. C'était pas possible. C'était comme si moi-même j'avais débarqué au moment des difficultés où je démissionnais d'une certaine façon. Je pouvais pas. Et j'avais pas le droit. Et en même temps, être parmi vous, pour moi, je me retrouve dans la famille. Comme dans la famille, comme j'y étais depuis toute ma vie, de façon naturelle. Ça veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Mais ça veut dire que je sais où je suis, ici. Alors, et je termine par là, Laurence, j'ai voulu, même si c'est un exercice un peu compliqué, parce que tant mieux, vous êtes très nombreux, faire ce qui ne s'est jamais fait pour un ancien président de la République, c'est-à-dire répondre à vos questions. Y répondre sans sélectionner les questions. Il y a des questions Internet, puis vous prendrez la parole. Posez toutes les questions que vous voulez. J'y répondrai avec, je l'espère, la plus grande franchise. Et j'ai voulu que la presse soit là. Vous savez pourquoi? Parce que dans une famille, si on ne se dit pas tout, si on met la poussière sous le tapis, un jour, on se réveille et il y a une fracture qui est irréparable. Quand on se parle, quand on échange, quand on prend la peine de se respecter et se comprendre, on peut construire pour l'avenir. Je le dis à tous. Moi, je suis candidat pour être président de l'UMP. Si je suis élu président de l'UMP, j'essaierai de créer dans les 3 mois la plus vaste formation politique qu'on ait jamais connue dans notre pays. On changera tout, du sol au plafond. Je veux une nouvelle équipe, je veux un nouveau projet, je veux une nouvelle méthode de fonctionnement. Je le dis devant mes amis ici, notamment Michel Aumarie, que j'embrasse et que je salue. Il y a une chose que vous devez savoir. Si vous me choisissez comme président, j'aurai constitué une équipe. Je ne nommerai personne parce qu'il est sarkozyste, personne parce qu'il est juppéiste, personne parce qu'il est filloniste, personne parce qu'il est ceci ou parce qu'il est cela. Je ne veux pas de tendance, je ne veux pas de secte, je ne veux pas de clan, je ne veux pas de sous-équipe dans l'équipe. Je veux une famille dont on choisit les responsables parce qu'ils ont envie de tout donner pour cette famille politique. Le moment venu, il faut que les choses soient claires entre nous, parce que je ne veux pas d'ambiguïté. Oh, si un point n'est pas changé, j'aime pas le mensonge. Et quand je dis quelque chose que je ne pense pas vraiment, ça se voit. Donc franchement, je préfère y aller en vous disant ce qui va se passer. Le moment venu, il y aura la possibilité pour chacun d'entre vous de choisir celui ou celle qui sera candidat pour l'élection présidentielle. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'élection présidentielle en 2014. Il n'y a pas d'élection présidentielle en 2015. Il n'y a pas d'élection présidentielle en 2016. Aujourd'hui, c'est le temps du travail, parce que notre formation politique n'a pas assez travaillé pendant 2 ans et demi. C'est le temps du rassemblement. Et quand il faudra choisir, vous choisirez. Mais il n'y aura pas de succès individuel s'il y a une faillite collective. Voilà mon message aujourd'hui à Toulouse. Donc nous allons faire une première question Internet, puis une question dans la salle, puis une question Internet, ainsi de suite jusqu'à la fin de la réunion. Monsieur le Président, Fabrice Dutarn vous écrit, lors de votre mandat, vous aviez annoncé vouloir passer le Karcher. Une grande partie de vos électeurs ont considéré que c'était un effet d'annonce. Quelles sont vos idées à mettre en œuvre pour éradiquer les zones de non-droit et plus globalement pour faire enfin respecter la loi républicaine? Merci Gérald. C'est une question très sensible et en même temps, il faut aller au fond du problème et de la problématique.
J'ai été l'objet de polémiques ou de procès en sorcellerie parce qu'il y a vraiment un problème français avec une partie de nos élites et une partie de nos corps intermédiaires. Quand un responsable politique parle de la réalité, ça les gêne parce qu'ils vivent dans une autre réalité. Quand j'ai parlé du Karcher, c'était à la Courneuve, à la cité des 4000, et je rendais visite à la famille d'un petit garçon qui avait été tué par un assassin qui, le jour de la fête des pères, alors que ce petit garçon lavait la voiture de son père, cet assassin n'avait rien trouvé de mieux que de tirer par la fenêtre avec une carabine. Et j'avais dû monter les escaliers à pied parce que la sécurité avait peur pour moi. Et à chaque étage, il y avait des gens qui sortaient en disant « on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus ». On m'a beaucoup reproché d'abord d'utiliser cette expression, puis après on m'a reproché de ne pas avoir fait assez. Je vais m'en expliquer sur les deux. D'abord sur l'expression. Et je parle sous le contrôle des élus, notamment de toi Jean-Luc. Les mots ont un sens. Si nous, les responsables politiques, et a fortiori celui qui est au sommet de l'État, nous employons les mots pour décrire une situation que vous vivez, on est déjà dans l'action. Je ne mets pas d'un côté, Gérald, les mots, M-O-T-S, de l'autre l'action. De la même façon, quand on éduque ses enfants, ou lorsqu'on a un problème dans un couple, tout n'est pas qu'action, il y a aussi la réflexion et les mots qu'on utilise. Et c'était, si vous voulez, une façon de m'approprier un vocabulaire qui était ceux des gens dans ces quartiers qui n'en pouvaient plus, pour qu'ils comprennent bien qu'on faisait partie du même pays, de la même société, et que je pouvais comprendre ce qu'ils ressentaient, puisqu'on se trouvait dans la situation où Jospin avait dit à une dame qui avait peur dans le métro, « Madame, vous n'avez pas peur, vous avez l'impression d'avoir peur. » Je vous recommande d'aller chez le dentiste. Et il vous dit, mon vieux, vous avez pas mal. Vous avez l'impression d'avoir mal. Changez vite de dentiste. Avec Jospin, ça s'est vite arrangé. Il n'a pas passé le deuxième tour. Parce que pour être quand même au deuxième tour, il faut passer le premier. Bon. Mais... Et c'est dans ce cadre-là. Mais en même temps, je savais parfaitement, Gérald, que cette question extraordinairement difficile du non-respect de la loi, de la contestation systématique de toute forme d'autorité, de l'impossibilité d'une partie des élites d'accepter la discipline, le respect, la sanction, c'est pas quelque chose qu'on allait régler d'un coup de baguette magique. Ça venait après des décennies de démission. J'ai été ministre de l'Intérieur. Je veux quand même dire une chose. Et j'ai eu à gérer les émeutes de 2005. Quand je vois ce qui se passe aux États-Unis il y a quelques mois, ou ce qui s'est passé en Angleterre il y a quelques années, ou aux États-Unis il y a quelques années, ma fierté, j'ai pas de sang sur les mains. 21 jours d'émeute en 2005, il n'y a pas eu un mort du côté des émeutiers ni du côté des forces de l'ordre. On a dû pas si mal gérer les choses, d'avoir pu les maîtriser de cette façon, avec des forces de l'ordre républicaines, cher Michel. Admirable. Parce qu'à aucun moment, l'un d'entre eux n'a eu à faire usage de son arme à feu, alors qu'il y a eu des situations extrêmement périlleuses. Puis on a eu l'alternance, et je dois dire que je ne partage rien de ce que fait ou de ce que dit Madame Taubira. Rien. C'est bien simple. Je dis Madame Taubira parce que, comme le ministre de l'Intérieur ne dit rien, c'est difficile de ne pas être en accord avec lui. Enfin, à moins que quelqu'un ait entendu une phrase qui me le dit, je vous dirai si je suis d'accord ou si je ne suis pas d'accord. Mais rien. Et c'est assez rare dans ma longue vie politique de voir à quel point le désaccord est abyssal
entre elles et nous. Je vais prendre quelques exemples. Moi, je considère que la règle, c'est que la sanction doit être beaucoup plus dure lorsque l'intégrité physique de la victime a été atteinte que lorsque c'est simplement les règles de la société qui ont été violées. Que naturellement, il faut sanctionner quelle que soit la règle qui a été violée, mais que ce n'est pas la même chose d'aller faire un braquage dans une banque sans toucher à la caissière ou à l'employé de banque que de laisser et d'avoir du sang sur les mains. Il y a une deuxième chose que je veux vous dire, c'est que 50% des crimes et des délits sont le fait de 5% des délinquants. Donc se pose de nouveau la question de la multirécidive, et la première décision que je voudrais qu'on prenne dans le projet que nous allons réaliser, c'est de rétablir et de durcir les peines planchers qui étaient les peines pour les multirécidivistes. Je vous donnerai la parole. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, Gérald, quand le même individu revient pour la 18e fois devant le même tribunal correctionnel, vous ne pouvez pas le sanctionner la 18e fois pour ce qu'il a fait, mais pour l'ensemble de son œuvre, parce que 17 fois il n'a pas compris la leçon, il est temps qu'il comprenne la leçon. Je voudrais dire une deuxième chose. J'assume mes responsabilités et on en débattra. Est-ce que vous avez remarqué que les décisions des cours d'assises sont très rarement contestées? Ça peut arriver, mais rarement. Pourquoi? Parce que dans les cours d'assises, il y a des jurés populaires. C'est-à-dire que pour une fois, on rend vraiment la justice au nom du peuple français, puisque c'est des représentants du peuple français tirés au sort qui ont à se prononcer. Je souhaite que l'on pose clairement la question, comme nous l'avions fait, comme nous l'avions mis en œuvre, du rétablissement des jurés populaires dans les tribunaux correctionnels pour que ça soit vous et personne d'autre qui décidiez pour les délits les plus graves, naturellement pas la question des contraventions ou des petits délits, mais pour les délits les plus graves, on peut débattre de la gravité, mais je pense qu'à ce moment-là, la confiance de nos compatriotes dans l'institution judiciaire, dans la certitude que la réponse pénale sera adaptée aux troubles qu'a subi la société, c'est vous qui en serez les garants. La troisième chose, c'est la question de la victime. Je veux dire, parce que je le pense, que dans mon esprit, il y a une seule victime, c'est celle qui a subi la violence de l'agression. Ce n'est pas celui qui a provoqué l'agression. Pardon, celui qui a fait l'agression, il peut y avoir tout un tas de raisons et certainement il a dû connaître tout un tas d'épreuves. Mais quand il y a une agression, il y a un coupable et une victime. On ne peut pas traiter les deux côtés de la même façon. Et il va falloir faire une place beaucoup plus importante dans notre droit pénal à la victime. Je prends un seul exemple. Le coupable a le droit à un avocat à la première minute qui suit l'agression qu'il a commise. La victime a le droit à ses yeux pour pleurer, sauf s'il y a une association qui vient lui porter secours. Je ne vois pas pourquoi la victime n'aurait pas, elle, droit à un avocat à ses côtés. Enfin, dernier point, pardon de répondre si vite, mais c'est des sujets qui me passionnent, et, qui est la question de l'enfermement et de la prison. Je suis désolé, je ne dis pas que la prison, c'est la réponse à tout, mais il y a un certain nombre d'individus dont les comportements mettent gravement en cause l'équilibre de la société, et s'ils ne veulent pas comprendre que l'équilibre de la société est mis en cause, il faut les mettre en prison. La situation, elle est claire, elle est simple, et donc reprendre le programme de construction de prison que nous avions engagé. Quand j'entends dire qu'il y a trop de personnes en prison en France, si on compare avec toutes les démocraties dans le monde, c'est faux. C'est un mensonge de plus, porté
par une pensée héritée des années 70 qui mélange tout, le délinquant et la victime, la sanction et la non-réponse à la sanction. À un moment donné, il faut remettre, comme l'on dit dans l'expression populaire, l'église au centre du village. Nous sommes du côté des victimes et nous souhaitons que les délinquants assument les responsabilités de ce qu'ils ont conduit. Et enfin, puisque la question m'était posée comme ça, est-ce que j'en ai assez fait et est-ce que qu'est-ce que j'en pense moi-même? C'est très, pour vous dire, c'est assez curieux comme ce que je vis, mais après tout, ça n'a aucun intérêt, c'est mon problème. Pendant les 5 ans que j'étais président de la République, je n'ai cessé de lire et d'entendre des commentaires où on me disait, tu en fais trop, tu vas trop vite, ils ont la tête qui tourne, ils n'arrivent plus à te suivre, il faut que tu arrêtes. Ok? Parfait. On a entendu la même chose. Bon. Et puis pendant 2 ans et demi, je me suis tu, donc c'était assez facile de faire des commentaires sur mon propre bilan, puisque je ne répondais pas. Et là, j'ai eu l'impression d'être comme un notable qui empêchait mes ministres d'avancer, qui piaffait pour aller plus loin, plus fort, plus vite. Et puis moi, je lui dis, mais non, prends ton temps. Sois calme. Sois apaisé. Il y a la vie qui est longue devant toi. Je me suis dit, c'est moi ça? Ben oui, puisque les gens le disent. Alors, contrairement à ce que je croyais à un moment, je pense qu'on n'a pas assez fait. Je pense que au fond, le besoin d'autorité dans une république et dans une démocratie est indispensable. Qu'il n'y a pas de société sans leadership, qu'il n'y a pas d'organisation qui peut fonctionner sans autorité, et que de la même façon que j'avais remis au goût du jour le travail, l'effort, le mérite, il faudra remettre au goût du jour la discipline, la sanction et l'autorité. Bonsoir, Monsieur le Président. Donc, j'ai l'honneur de poser la première question, qui sera à double sens. Je me présente, Antoine Martinez, chef d'entreprise à Toulouse. Première question, c'est de savoir, vous avez déclaré à plusieurs reprises vouloir créer un grand parti de droite, rassemblant jusqu'à l'UDI, le MoDem, pourquoi pas, face au Front National. Comment y arriver? C'est peut-être compliqué, vous l'avez déjà fait, mais il faut le refaire. Deuxième question, aujourd'hui avec l'évolution du paysage politique, avec l'évolution de notre organisation politique, il y a des têtes qui surgissent. Quel accueil allez-vous réserver au sein de vos équipes, aux idées, voire aux hommes issus d'autres horizons que la politique elle-même, à savoir les chefs d'entreprise, à savoir le monde civil? Voilà, merci. Merci à monsieur. D'abord, là aussi, il faut qu'on soit transparent pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Moi, je veux le plus large rassemblement possible, mais je le veux par la base. Je ne conduirai pas de discussion d'état-major qui consiste à donner de l'importance à celui qui représente le moins. Non, je vise personne. D'ailleurs, dans ma situation, je vais être désagréable avec personne. J'ai eu Carla avant de monter en scène, elle m'a dit, ça va? Je lui ai dit, oui, ça va. Donc, mais je lui transmettrai. Mais je pense que c'est toujours une erreur de faire des grandes discussions d'état-major, parce qu'à ce moment-là, on rentre dans un débat politicien qui n'amène rien. Mon idée, c'est de faire le plus grand rassemblement possible en nous adressant à tous les Français, donc à tous les électeurs. Et je connais bien, vous savez, monsieur, la règle de la gravité. La grosse boule attire les plus petites. Donc soyons attentifs à être le plus large, le plus fort, le plus grand rassemblement possible. Et je ne doute pas par la suite que tout le monde voudra y participer. Si on essaie d'additionner des petites boutiques, on ne remplira pas la cathédrale, on additionnera simplement des chapelles. Et ça ne donne pas une unité, ça ne donne pas un message. Et pour les élections régionales, et je parle sous le contrôle d'un certain nombre d'entre vous, n'est-ce pas mon cher Bernard, je souhaite que pour les stratégies d'alliance, ça soit des discussions qui se passent au niveau de la région. J'en ai assez de ces partis politiques que j'ai connus,
où 50 membres de la commission d'investiture se réunissent gravement pour décider de qui on va mettre comme tête de liste dans une région ou dans une ville où, en général, 49 sur 50 n'ont jamais mis les pieds. Jamais. Et je connais bien Toulouse et la région. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous parfaits. Parce qu'ici, quand vous divisez, c'est quelque chose. Enfin, ici, pas ici, chez toi. Ici. Non, je ne précise pas, mais je peux mettre des lieux sur le banc. Mais je crois qu'il faut faire confiance. Et je voudrais que cette grande formation politique soit beaucoup plus décentralisée. Autrement dit, que nous ayons une grande décentralisation pour le choix des candidats et une beaucoup plus grande autorité sur le choix de la ligne politique. On débat, on vote, et après on arrête d'entendre à la radio tous les matins quelqu'un qui s'est réveillé du mauvais pied et qui vient donner sa propre lecture sur une ligne politique qui est le contraire de ce que porte sa famille politique. Autrement dit, plus de décentralisation pour choisir les candidats et pour la stratégie politique adaptée à votre région. Par exemple, ce n'est pas forcé qu'ici, il faut la même stratégie que dans la région de Gérald, dans le Nord. Maintenant, c'est rien avec le rassemblement, là, on n'y comprend plus rien. Ah oui, il faut que je vous dise aussi qu'à la minute où les Français nous feraient à nouveau confiance, la carte électorale de rassemblement administratif des régions, on la supprime instantanément. L'autre jour, je parlais avec un ami du Massif central. Il me dit, tu sais que maintenant, on est avec la Haute-Savoie. Je dis, mais qui a imaginé un truc comme ça? Il m'a dit, eux. Je dis, précise pas, j'ai compris. Et alors, sur ce que vous appelez la société civile, qui n'est pas une expression que j'utilise souvent, pourquoi? Parce que pour moi, il y a une seule société. L'un des enjeux sera de s'ouvrir à des femmes et des hommes qui peuvent nous apporter toute leur expérience. Mais je voudrais aussi faire un plaidoyer pour la classe politique dans son ensemble. Si vous n'êtes pas satisfait des responsables politiques, prenez notre place. Allez-y. Mais comme vous le faites, vous, en étant là avec nous, mais j'en ai parfois un peu assez de celui qui est sur le trottoir puis qui regarde. Parce que vous savez, la politique, on gagne, on est battu. Ça peut être dur. Ça peut être dur et c'est respectable. Quelle que soit par ailleurs l'idée politique que vous avez. Moi, je les respecte. J'ai toujours respecté dans ma vie ceux qui se battaient. On se bat, on essaie de convaincre, on perd, on gagne. Mais c'est respectable. Parfois, on est un peu assez d'entendre à la télévision. Vous savez, tous ces experts. Ces experts de quoi? Alors, il y en a, on pourrait mettre, ils sont experts de tout. Alors, vous traduisez, ils sont experts, ils savent rien. Parce que si on est expert de tout, c'est qu'on sait rien. Bon. Et je préférerais toujours quelqu'un qui se présente, qui s'engage. Et donc, notre idée, c'est vraiment de profondément renouveler les équipes. Ce n'est pas d'ailleurs simplement une question d'âge. De nous ouvrir pour que des gens comme vous, dans l'entreprise, mais aussi, je pense aux artistes, je pense aux sportifs, auxquels j'attache tellement d'importance, ils ne se sentent pas prisonniers quand ils viennent dans un mouvement politique comme le nôtre. Qu'ils n'aient pas honte, qu'ils soient fiers. Je voudrais vraiment créer une famille où on se dirait, vous pouvez venir. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Moi, si je suis président, je veux même qu'on accepte l'idée que je puisse être minoritaire. Comme dans une famille, quand il y a un repas de famille, on n'est pas d'accord sur tout. Ce n'est pas pour ça qu'on se renie. Et au fond, on aura gagné quand on aura compris qu'une famille politique, c'est quelque chose d'ouvert, pas de fermé. C'est quelque chose dont on est fier, pas dont on a honte. Et donc, chacun pourra apporter sa propre part et sa propre contribution au fonctionnement de cette grande famille politique. Le Parti populaire espagnol a 600 000 militants, il y a 42 millions d'habitants en Espagne, nous avons 65 millions d'habitants. Je voudrais qu'on sorte de ces petites formations, parce que plus vous serez nombreux, plus vous serez représentatifs de l'état d'esprit de la France, et mieux ça sera pour parler, pour convaincre. L'autre jour, il y a un journaliste qui me pose la question, il me dit, enfin, vous êtes en campagne présidentielle? J'ai dit, non, la présidence de l'UMP. Elle me dit, oui, mais vous parlez de la France. Je dis, pourquoi? Parce que je parle à des militants, il y a des adhérents, je ne dois pas leur parler de la France? Expliquez-moi. Mais eux, s'ils ont pris une carte d'un parti, en l'occurrence le mien, c'est parce qu'ils aiment la France.
C'est parce qu'ils sont passionnés de la France. Et parce qu'ils ne veulent pas d'une situation qui regarde en spectateur et qui veulent être acteurs. Donc s'il y a bien des gens à qui je dois parler de la France, c'est vous. D'abord à vous. Et pas à ceux qui s'en occupent de temps en temps. Bon, Monsieur le Président, bonjour, Joseph Fury à Toulouse, simple employé du secteur privé. Une des réformes importantes que vous avez faites, c'était le pouvoir d'achat à travers le travail, les heures supplémentaires défiscalisées. Est-ce que vous continuerez à permettre à tous un emploi et être récompensé du travail? Voilà. José, je peux vous embrasser pour moins que ça? Pourquoi ? Parce que les heures supplémentaires, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai cru, je me suis battu pour ça. Et c'est la première fois depuis bien longtemps que nous avons pu nous reconnecter avec les catégories les plus populaires des travailleurs. Qu'ils ont compris qu'on n'était pas leur adversaire, mais que les valeurs que nous portions, c'était pour eux. 9 200 000 salariés on peut augmenter le pouvoir d'achat. Alors on me dit 200, 250 euros, 300 euros par mois. Mais ça fait les vacances à la fin de l'année. C'est pas rien. Donc la première mesure que je souhaite voir retenue, c'est le rétablissement des heures supplémentaires déchargées et défiscalisées. Mais je vais, José, si vous le permettez, aller un peu plus loin. Parce que c'est un débat qu'on va avoir dans notre formation politique. Et avec un certain nombre de gens pour qui j'ai de l'amitié, notamment François Fillon, que j'ai vu la semaine dernière, et qui a été mon Premier ministre, et pour qui j'ai de l'amitié. Et d'ailleurs, personne ne pourrait comprendre que quand on est capable de travailler pendant 5 ans ensemble, on ne soit pas capable d'être dans l'opposition ensemble. Ou alors c'est qu'on n'a pas bien réfléchi à nos responsabilités, à ce que nous sommes. C'est le débat sur les 35 heures, et je veux en dire un mot sur le temps de travail. Je voudrais d'abord faire 2 remarques. Je n'expliquerai pas aux Français, parce que je ne crois pas qu'il y a une crise, parce que gagner 1200 euros par mois, c'est trop. Qu'on ne compte pas sur moi pour dire cela, parce que je ne le pense pas. Je veux le dire, je suis prêt à assumer tous les désaccords, mais je ne ferai pas porter la responsabilité de la crise à ceux qui travaillent tous les jours et qui, à la fin du mois, n'ont rien sur le compte en banque parce que la vie est devenue de plus en plus difficile. Donc je n'ai pas l'intention que la famille politique dont j'ai l'intention de présider considère qu'à 1200 euros, 1300 euros par mois, on gagne trop quand on travaille. Parce que le problème n'est pas du côté de ceux qui travaillent. Oui, pardon. Le problème est du côté de ceux qui ne travaillent pas. On ne va pas commencer par dénoncer ceux qui travaillent. Attends, non mais vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que j'y tiens, il y a même un raisonnement derrière. Bon. Parce que je vais faire une deuxième remarque. Et pardon, j'espère pas vous embêter, mais moi je veux vous convaincre, si je suis revenu, c'est pour faire ce que j'aime faire. Quelqu'un me dit ce matin, mais tu veux leur dire ce qu'ils veulent attendre? Bah, non, je veux leur dire tout ce que je pense, et puis parfois ça percutera, parfois ça percutera moins, mais au moins qu'ils... Je voudrais qu'ils partent en se disant, tiens, on nous a dit des choses intéressantes, j'étais plus ou moins d'accord, mais au moins, on ne s'est pas moqué de nous. Je ne veux pas que cette famille politique du futur soit aussi idéologue que les socialistes. Alors, il y a les idéologues des 35 heures, et puis il y aurait les idéologues qui seraient nous, des 39 heures. C'est-à-dire, on répond à une idéologie par une autre idéologie. Au nom de quoi ? Il y a un problème du temps de travail dans notre pays. On ne travaille pas assez. Mais ce problème, c'est d'abord celui des RTT, qui concerne plus les cadres que les salariés simplement. Il y a un problème des jours fériés. Il y a un problème du travail du dimanche. Il y a un problème du travail de nuit. Il y a le problème des jours de carence dans la fonction publique qu'il faut rétablir. Parce que c'est scandaleux de l'avoir supprimé. Et donc, mon idée serait qu'on mette sur la table la question des RTT et que pour les 35 heures, on dise aux entreprises qui veulent sortir des 35 heures qu'elles y ont le droit. Et qu'on dise aux entreprises
notamment les grandes, et à Toulouse, vous savez ce que c'est, qui se sont organisées pour les 35 heures, qu'elles ont le droit de les garder. Moi, je crois à la liberté, je crois au pragmatisme, je crois que tout le monde et chaque entreprise a le droit à une réponse adaptée à sa situation. Pourquoi on va remettre une rigidité alors que, justement, on dénonce la rigidité des autres? Rendons la liberté aux entreprises de s'exonérer des 35 heures ou de garder les 35 heures. Et il me semble que c'est beaucoup plus efficace pour l'économie française que de passer des idéologues de gauche aux idéologues de droite. Voilà ma proposition en la matière. Alors, restera la question très difficile de la fonction publique, et je veux être très clair avec vous, et je sais que il y a des administrations ici, et sans doute dans la salle, il y a des gens qui sont dans la fonction publique. D'abord, j'ai été maire 20 ans, donc on ne va pas m'expliquer le montant du dévouement dans la fonction publique territoriale, avec des gens qui sont prêts à travailler, à se dévouer, puis quand il y a une catastrophe, et dans votre région comme dans celle d'à côté, vous en connaissez, on est bien content d'avoir le service public qui est là, qui ne compte pas ses heures, donc qu'on ne compte pas sur moi pour dire du mal de la fonction publique dans son ensemble, je veux parler des problèmes de la fonction publique. Quels sont-ils ces problèmes de la fonction publique? D'abord, quand on est policier, sans doute c'est un travail de toute une vie, mais quand on est informaticien à Blagnac ou à Toulouse, je ne suis pas sûr qu'il faut absolument le statut à vie. On peut parfaitement imaginer, dans la fonction publique territoriale, d'autoriser les maires à avoir des contrats de 5 ans pour un certain nombre de collaborateurs qui exercent des responsabilités qui, en vérité, sont des responsabilités dans le public, mais qui sont de la même nature que celles qui ont lieu dans le privé. Il n'y a pas besoin d'être informaticien à vie, mais je peux prendre d'autres exemples. C'est absurde. On crée une rigidité considérable là-dessus. Deuxièmement, je veux parler des enseignants. Tout le monde connaît les enseignants de ses enfants, et aussi étrange que ça puisse paraître, moi j'ai une fille en maternelle. Vous avez bien entendu? C'est pas ma petite fille. J'ai aussi une petite fille, et c'est ma fille. Et je vois le dévouement admirable de tant d'enseignants. Mais je veux dire avec la même force que je crois que notre pays n'a pas les moyens d'entretenir 1 million d'enseignants motivés, passionnés par leur travail, dans un pays comme le nôtre. Et je proposerais qu'on augmente la durée de travail des enseignants, non pas pour faire plus d'heures en classe, parce qu'avec 18 heures par semaine, nos enfants sont bien assez en classe, mais je voudrais que chaque enseignant puisse consacrer 4 ou 5 heures en plus pour aider, en dehors de la classe, des enfants dans l'établissement qui ont du mal à suivre dans la classe. Alors la vérité, c'est qu'avec 18 heures, et Daniel, tu le sais très bien, par semaine d'obligation de service, bien souvent, les enseignants, je ne leur fais pas le reproche, concentrent sur 2 jours et il n'y a plus d'adultes pour aider les enfants qui, dans le collège ou dans le lycée, n'arrivent pas à suivre. On se focalise sur le nombre d'effectifs en classe. C'est ridicule. Les grands lycées parisiens ont 35 enfants dans les classes, mais tout le monde, il y a la queue pour y rentrer, parce que si vous avez 35 enfants dont le problème c'est de savoir s'ils ont 18 ou 19, le nombre ne compte pas. Donc, 30% d'heures en plus pour les enseignants, 30% de rémunération en plus pour les enseignants, et 30% d'enseignants en moins, ça me semble une politique adaptée à la situation que connaît notre pays. Et d'ailleurs, pour la police, je pense le même principe. La sécurité, ce n'est pas une question d'effectif. C'est une question de motivation. Non, pas parce que si c'est pour mettre des patrouilles à 9h du matin dans les rues de Toulouse, ce n'est pas une heure où beaucoup de délinquants sont réveillés. En revanche, il faut pouvoir donner des heures supplémentaires aux policiers des brigades anti-criminalité, aux policiers qui prennent le plus de risques, aux policiers qui vont démasquer les délinquants, aux policiers qui vont démanteler les réseaux, et leur donner des moyens en termes de police scientifique, en termes de voitures, en termes d'armement, qui permet d'avoir la police, c'est mon ambition, la plus moderne du monde. Ce n'est pas simplement une question d'aligner les effectifs pour les avoir tous à la même heure et saluer
les commerçants dans la rue commerçante. Franchement, ça, c'est une police qui remonte à très longtemps. Quand la délinquance était ce qu'elle était, la délinquance n'est plus ce qu'elle est. Donc la question de la fonction publique et de son statut, c'est une question que nous devrons poser de façon incontournable, parce que la France ne peut pas continuer avec ce montant de dépenses publiques. Ce n'était pas exactement votre question, mais c'était totalement ma réponse. Pardon. Bonsoir, Monsieur Sarkozy. C'est ici. Alexis Komarov, 42 ans, je suis gérant d'une petite PME sur Toulouse. Et quand j'entends le camp d'en face qui dit « j'aime l'entreprise », j'ai du mal à le croire parce que moi, j'ai repris ma boîte il y a 5 ans maintenant. C'était pendant votre quinquennat. Et à l'époque, il y avait la taxe professionnelle en moins. Il y avait des choses qui nous aidaient bien à démarrer. Et depuis, chaque mois, il y a davantage en charge, tout ce que vous voulez. Je peux vous faire une liste longue comme je ne sais pas quoi. Mais toujours est-il, c'est que quand on gère une PME aujourd'hui en France en bon père de famille, qu'on paye toutes ses charges, sa TVA, qu'on paye bien l'État et qu'on paye bien ses salaires, et que le chef d'entreprise n'a plus rien, pas forcément tous les mois, je voulais savoir par rapport aux PME, par rapport aux petites entreprises, si vous aimez l'entreprise, et quelle est votre stratégie pour aider ce tissu de PME qui aide vraiment la France aujourd'hui à vivre, parce que c'est nous qui faisons vivre la France. Alexis, c'est toujours suspect quand quelqu'un vous dit qu'il vous aime. C'est qu'il a un gros truc à se faire pardonner. Parce qu'en amour, il n'y a pas des mots, il n'y a que des preuves. Donc on n'a pas besoin de dire « j'aime l'entreprise », il suffit de mettre en place une politique pour l'entreprise. Mais, deux remarques. Je trouve que le plus grave dans tout cela, ce n'est pas les 30 milliards d'impôts supplémentaires, ce n'est pas toutes les règles qui s'abattent sur vous, c'est l'idée folle que la réussite est suspecte. Que vouloir réussir, gagner de l'argent, développer son commerce, agrandir sa maison, acheter un appartement pour ses enfants, faire en sorte que ses enfants commencent d'un peu plus haut que soi-même, on a commencé, c'est suspect. Quand je vois tous ces jeunes qui partent à l'étranger, moi je trouve ça fantastique que des jeunes partent à l'étranger, mais je ne veux pas qu'ils partent parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas réussir dans le pays qui est le nôtre. Ça, je ne peux pas l'accepter. Je vais répondre à votre question, Alexis. Mais cette fascination pour le nivellement, l'égalitarisme, la médiocrité, la jalousie, la détestation de tout ce qui brille, de tout ce qui gagne, de tout ce qui marche. Au fond, pour les socialistes, c'est simple, le monde. Si on est injuste avec tout le monde de la même façon, il n'y a pas d'injustice. Honnêtement, c'est pas bête leur système. Il fallait y penser. Si on est tous en retard, on est tous à l'heure. Mais si, ils y ont pas. Vous savez qu'ils y ont réfléchi pour trouver un truc pareil? Non, mais c'est. Il faut pas de notes à l'école parce que ça peut traumatiser. Il faut que l'Allemagne travaille moins parce que. Et les entreprises, c'est votre entreprise, vous y croyez, vous bossez, vous levez tôt le matin, vous risquez tout. Et en plus, vous voulez gagner de l'argent? Attention, Madame Taubira veille. C'est grave. Il faut voir. Pardon. Je dois m'expliquer, je vais suivre avec vous là-dessus. Liberté, égalité, fraternité. Mais ils ont complètement perverti le mot égalité. Et je m'adresse aux familles, à vous qui voyez vos enfants grandir. Il y a le même sang, et pourtant ils sont tous différents. Il y a le même sang, et pourtant il n'y en a aucun qui vous ressemble totalement. Avec la même éducation, le même sang, la même famille, ils vont avoir des destins complètement différents. Moi, je ne veux pas qu'on dise aux jeunes que la société veut qu'ils soient comme ça, ou que l'État veut qu'ils soient comme ci.
Je veux que la société donne les moyens à chacun d'aller jusqu'au bout de ses propres possibilités, qui sont différentes des autres. On n'aura pas tous le même appartement, on n'aura pas tous la même maison, on n'aura pas tous le même salaire, on n'aura pas tous la même vie. On n'aura pas tous le même mari ou la même femme. Certains voudront avoir des vies plus tranquilles. Il ne s'agit pas de dire que c'est moins bien ou c'est mieux. C'est eux, et ils sont respectables. Certains voudront faire un travail manuel, d'autres voudront faire intellectuel. Certains voudront être dans le sport, d'autres voudront être dans l'entreprise. Pourquoi juger ? Il n'y a pas un modèle de réussite. Il y a autant de modèles de réussite que ce qui correspond à chacun d'entre vous ou à chacun de vos enfants. Ce n'est pas vous qui allez dire à vos enfants ce qu'ils doivent devenir. Il faut les laisser devenir ce qu'ils sont. Cette fascination qui consiste à dire « Ah ben il faut dans l'entreprise qu'il n'y ait pas plus de décalage entre 1 et 5 pour les salaires. Il faut faire attention que le plus mauvais n'ait pas une trop mauvaise note, mais que le meilleur n'ait pas une trop bonne note. » Non mais ça a été fantastique. Il y a même une académie où le jour de la journée de la femme, on a dit aux garçons de se mettre en fille. C'est pas une plaisanterie, c'est vrai. Donc la réussite n'est pas un problème. C'est une opportunité formidable. Parce que si nous avons des chefs d'entreprise, on aura des emplois pour vos jeunes dans les régions. Et que si la France ne reste accueillante qu'à ceux qui n'ont pas d'emploi, qu'à ceux qui n'ont pas d'ambition, qu'est-ce qu'elle va devenir, la France ? Alors, on peut comprendre cette politique-là, mais dans ce cas-là, il faut être cohérent et dire on sort de l'Europe. Mais on ne peut pas mettre la France en concurrence avec tout le monde sur notre continent et avoir les impôts les plus élevés pour les entreprises, les plus élevés pour les particuliers et pénaliser la réussite, ce qui fait que tous les pays autour de nous sont très heureux de récupérer les Français qui veulent le plus travailler, les Français qui veulent le mieux réussir, et c'est autant de potentiel de croissance que l'on perd dans votre région. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc, je voudrais qu'en conclusion, qu'on désidéologise le débat fiscal. Hein, c'est fantastique. C'est ce raisonnement de la gauche française qui est frénétique de partager soit l'argent qu'elle n'a pas, soit l'argent des autres. Mais ce n'est pas son argent. C'est l'argent de ceux qui travaillent dur. Donc on arrête de partager, parce que quand il n'y a plus rien à partager, qui souffre le plus de cela ? Donc la question n'est pas celle de la redistribution. Parce que de toute manière, l'électeur de gauche le plus sincère comprend bien qu'on ne va pas créer une nouvelle prestation sociale. On n'a déjà plus d'argent pour payer celle qu'on a. La question n'est pas celle de tout focaliser sur le partage. La question, c'est de focaliser sur la croissance et la création de richesses. Parce que si vous ne donnez pas la peine de créer, qu'est-ce que vous aurez à partager ? Et qu'est-ce que vous aurez à donner ? Des mots, des mensonges. Et donc, pour la fiscalité des entreprises, je souhaite là aussi que dans notre famille politique, on arrête de dire on est des libéraux ou des centristes, mais qu'on comprenne quelle est dans notre environnement la fiscalité des pays qui sont nos concurrents et nos voisins, et qu'on adapte notre fiscalité des entreprises pour que nos entreprises puissent se battre à armes égales avec la concurrence des autres. La question n'est pas de savoir si on est partisan d'Adam Smith ou de Ricardo. La question, c'est l'Allemagne, c'est notre principal concurrent, notre principal client, et nous sommes son principal fournisseur. Si on met plus d'impôts en France qu'en Allemagne, on va perdre des parts de marché, ça créera de la pauvreté, de l'exclusion et du chômage. La question n'est donc pas la question idéologique du fameux cadeau aux riches, de la jalousie sur lequel on appuie toujours en France, mais comment nos entreprises vont pouvoir exister dans un monde qui est devenu un village où chacun peut se battre et doit se battre à armes égales. Je comprends qu'on ait des différences de compétitivité avec la Chine et avec l'Inde. Je ne peux pas accepter qu'on ait des différences de compétitivité avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec la Belgique et avec nos voisins. Voilà, sans parler de l'Espagne ou de l'Italie. C'est ça le problème. Et c'est en cela, monsieur, que je voudrais vous dire qu'on va s'adresser à tous les Français. Parce que la question n'est pas d'une politique libérale pour le plaisir d'avoir une politique libérale. La question, c'est comment vous, les entreprises, vous allez pouvoir vous en sortir à armes égales avec les autres.
et c'est valable aussi dans mon esprit, pour la fiscalité du patrimoine, la question, on peut très bien être pour l'ISF, mais dans ce cas-là, on sort d'Europe. Parce que si on est dans l'Europe, et moi je suis pour l'Europe, je suis tout à fait prêt à m'en expliquer, on ne peut pas être le seul pays d'Europe, ou le dernier pays d'Europe, à avoir un ISF. Ce n'est pas une question d'idéologie, ce n'est pas une question de gauche, ce n'est pas une question de droite, ce n'est pas une question de riche, ce n'est pas une question de pauvre, c'est une question de bon sens. Une question internet, monsieur le Président. Arnaud, je vous regarde de Toronto, je suis parti de France il y a 10 ans, attiré par le dynamisme de l'Amérique du Nord. Ma question, qu'avez-vous à dire aux jeunes Français à l'étranger pour leur redonner de l'espoir que la France redevienne une grande puissance économique ? C'est pas tant que la France... C'est Arnaud. Arnaud, c'est pas tant que la France redevienne une grande puissance, naturellement. Mais c'est pas parce que la France redeviendrait une grande puissance que tu auras envie de rentrer. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu es parti au Canada, après tout, c'est un pays avec qui on a tellement de liens. Parce que le Canada, c'est fantastique. Ils ont le meilleur des États-Unis d'Amérique et le meilleur de l'Europe. Enfin, si, réfléchissez à ça, c'est moins bête, ça n'en a l'air. C'est même quelqu'un qui aime le Canada qui vous dit ça. C'est fantastique d'avoir... Et c'est toute l'importance du Québec parmi les 9 États canadiens, c'est que ça introduit une culture européenne dans ce bout d'Amérique du Nord. Et c'est très important, de la même façon qu'on se sent très proche de l'Inde, parce qu'ils ont gardé le meilleur de l'Europe avec la colonisation anglaise, et en même temps, ils sont de l'Asie. Et ces pays à culture métissée, au fond, sont toujours des pays extrêmement intéressants. Donc j'ai envie de dire, Arnaud, non. Si tu es bien au Canada, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je veux que tu comprennes que quand on a repris les responsabilités, ton rêve que tu réalises au Canada, je voudrais que tu puisses le réaliser en France. Et qu'au fond, tu te dises, j'ai le choix. Mon ambition n'est pas de dire à Arnaud, rentre en France, c'est ton pays chez toi. Non, moi je suis pour un monde ouvert, pardon, je vous le dis, je pense qu'on ne trahit pas son pays en allant faire ses preuves à l'étranger. J'ai jamais pensé ça. Je pense que la France est un carrefour et que si on n'a aucun Français qui part à l'étranger, qu'est-ce qu'elle deviendra la culture française et la langue française ? Mais en revanche, je veux qu'Arnaud se dise, au fond, j'ai le choix. Or aujourd'hui, il se dit, j'ai pas le choix. Je veux réussir, je veux travailler plus que les autres, il faut que je parte. C'est ça qui est inacceptable. Donc, ce qu'on essaiera de faire, c'est que les opportunités de se réaliser, de réaliser ses ambitions pour Arnaud, il les ait autant ici qu'au Canada. Bonsoir, Monsieur le Président. Pierre Lemaignan, Sens commun. Avec un tout petit peu de recul, on constate que la loi Taubira a d'ores et déjà permis une certaine forme de légalisation de la PMA et de la GPA. Qu'est-ce que vous comptez mettre en œuvre pour sortir de cette ambiguïté législative ? Vous savez, quand j'ai eu l'idée de répondre aux questions... Il y a des gens qui m'ont dit, mais si les questions ne sont pas bonnes ? Mais je dis, il n'y a aucun risque. Les questions risquent de ne pas être bonnes si vous les sélectionnez. Parce que les questions qu'on me pose, enfin, je ne sais pas vous si vous avez du plaisir et de l'intérêt. Moi, j'ai de l'intérêt à y répondre. Elles sont très, très justes, elles sont très, très pas simples pour y répondre. Mais... Alors, je veux dire deux choses avant de rentrer vraiment là. La première, c'est que peut-être la faute la plus importante de ce gouvernement, c'est la façon inadmissible dont les familles ont été traitées dans notre pays. C'est inadmissible. Inadmissible. Des gens qui ne demandent rien, qui ne cassent rien, qui aiment leur pays profondément, faut-il qu'on les ait humiliés pour qu'ils aient envie, à ce point, de descendre dans la rue pour protester. Quand je pense qu'on m'accusait de diviser les Français, mon Dieu, quel mensonge, quelle injustice, quel scandale. J'ai même entendu quelqu'un qui a osé dire, mais honte sur lui, que ces manifestations,
c'était le fascisme en Loden. C'est ne rien comprendre. C'est une honte pour ceux qui ont connu le fascisme et qui en ont souffert. Et c'est une forme de racisme, j'emploie le mot fort, parce que quand on catégorise un ensemble de citoyens comme cela, c'est qu'on porte en soi des sentiments qui sont des sentiments, au fond, des sentiments de détestation de l'autre. Quel mépris. On a le droit d'avoir son opinion dans la démocratie. Nous, si on avait dû être choqué ou protesté à chaque fois que la CGT est venue casser ma permanence, quand je vois des manifestations, et je le dis dans la ville, la dernière fois où je suis venu ici, c'est quand vous avez été si solidaire, quand il y a eu ces assassinats ignobles dans l'école juive. Des manifestations, on crie « mort à Israël ». Et vous n'auriez pas le droit de manifester pour défendre l'idée que vous faites de la famille ? Où est-ce qu'on a vu ça ? Dans quel pays vit-on ? Qui peut accepter ça ? Et j'ai conscience que cette situation crée une humiliation qui crée un raidissement. Je ne dis pas radical, parce que le mot est mal choisi. Même si je l'ai employé, je le regrette. Un raidissement. Ce n'est pas acceptable. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que cette division voulue du pays, où on a essayé, le président lui-même, d'utiliser la question homosexuelle pour des raisons électorales, a conduit de l'autre côté à des paroles que j'aurais préféré ne pas entendre. Et je veux parler franchement avec vous. Il n'y a personne qui choisit sa sexualité. Et je ne veux que personne soit blessé parce qu'on aurait un commentaire qui serait pas digne de nous sur une sexualité ou sur une autre. D'ailleurs, je trouve très déplacé qu'on parle de la sexualité dans le débat public à tout bout de champ, qui est une affaire totalement privée. Mais je ne veux pas non plus que nous donnions le sentiment de porter un jugement sur qui que cela soit. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? De toute manière, on sera obligé de réécrire la loi parce que la Cour de cassation vient de prendre une décision qui fait un lien entre le mariage et la filiation. Et donc, de toute façon, quel que soit ce que vous pensez sur le mariage homosexuel, on sera obligé de travailler cette question-là parce que, pour ma part, je suis totalement opposé à la GPA pour les homosexuels et pour les hétérosexuels. Je veux là aussi que les choses soient claires. Non. Écoutez, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je ne suis pas contre la GPA uniquement pour les couples homosexuels. Je suis contre la GPA aussi pour les couples hétérosexuels et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je n'aime pas et je n'accepte pas l'expression « droit à l'enfant ». Il y a un désir d'enfant qui est parfaitement respectable et parfaitement compréhensible. Il n'y a pas un droit à l'enfant pour une raison que je voudrais expliquer très simplement. C'est que la vie est un mystère. Si vous croyez, c'est un mystère divin. Si vous ne croyez pas, c'est un mystère tout court. Mais la vie n'appartient pas à la décision de l'homme. C'est pourquoi je ne suis pas favorable à la légalisation générale de l'euthanasie, et c'est pourquoi je ne crois pas au droit à l'enfant, parce que dans ce cas-là, si ce droit à l'enfant, si l'enfant n'a pas des jambes d'1m80, n'a pas des cheveux blonds avec boucle, des yeux bleus, remarquable en maths, excellent en français. Mais si je n'ai pas ça, je le rends. C'est la logique du droit. Ça n'a aucun sens. Aucun. C'est un mystère, la vie. Et elle est unique. Et pour la PMA, je veux dire que moi, je suis pour la PMA, pour les couples hétérosexuels, quand c'est un acte médical pour compenser une stérilité partielle pour qu'un couple puisse
avoir l'enfant dont c'est le rêve. Pardon de rentrer dans le détail, mais on ne peut pas survoler ces questions. Je veux dire que je suis contre la PMA pour les couples homosexuels de femmes, parce que ça revient, la PMA pour les couples homosexuels de femmes, à la GPA. Voilà, pour que... Enfin, dernier point, mais c'est un sujet de débat. Moi, je vous donne mon opinion, vous m'interrogez, mais le moment venu, on débattra. Sur la question du mariage homosexuel lui-même, je ne veux pas aller plus loin. Pourquoi ? Il y a dans nos amis ceux qui sont pour l'abrogation, je parle du mariage, là, simplement, hein, monsieur, et puis Arnaud, et puis il y a ceux qui sont pour son maintien. Moi, j'ai une autre responsabilité. Je veux être président de la famille. Si sur ce point précis, après vous avoir dit tout ce que je vous ai dit, je trouve que j'en ai dit déjà raisonnable. Je ne peux pas dire que j'ai fui, Arnaud. Voilà. Si je vais plus loin là-dessus, je m'interdis, le moment venu, de rassembler toute la famille sur une position ferme et calme qui ne trahira pas nos valeurs, mais qui n'exclura personne, sur lequel je travaille déjà. Donc je ne peux pas dire on ouvre le débat et en même temps le fermer en prenant moi-même une position absolue. Je l'ai fait sur la GPA, je l'ai fait sur la PMA. Pour le reste, je souhaite que pendant quelques semaines, on laisse ouvert la question tranquillement et qu'on étudie, parce que c'est un sujet beaucoup plus complexe que l'imaginent ceux qui en parlent, parfois pour prendre des postures ou bien légèrement, qu'on étudie les conséquences juridiques, notamment au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, est-ce que la même institution peut produire des droits différents sur les uns et les autres, alors que leur sexualité n'est pas la même? C'est une question qui sera posée. Il faudra y répondre calmement et en toute transparence. Voilà, Arnaud, ce que j'ai voulu vous dire. Et j'estime... Pierre, pardon. Et j'estime... ça doit être Alzheimer ou quelque chose comme ça. L'année prochaine, 60 ans, soyez indulgent, Pierre. mais voilà, je crois qu'en disant ça, on n'exclut personne, on est respectueux de chacun. Et je veux dire une dernière chose, il a pu m'arriver dans le passé de blesser des gens, parce que vous savez, moi, je crois tellement à mes idées, je m'engage tellement dans ce que je fais, que parfois j'ai pu blesser des gens, et je le regrette. Je le regrette, j'y ai réfléchi, m'en suis voulu, pas simplement parce que ça a pu blesser quelqu'un, c'est toujours inutile, mais surtout parce que ça a fait reculer la solution d'un problème. Sans doute, vous voyez, si j'avais refaire le discours, le fameux discours de Grenoble, je ne le referais pas pareil, parce que je pense que j'ai raison sur le fond, que la question de l'immigration est centrale et que la question des Roms est un problème qui est devenu considérable dans notre pays. Je ne le traiterai pas dans les mots de la même façon, mais le problème, il est exactement posé et il va falloir s'y attaquer et trouver une solution. Pour moi, je veux vous dire, même si vous ne m'avez pas posé la question, que la solution maintenant, c'est de refuser d'appliquer Schengen et de demander la création d'un Schengen 2. Je ne suis pas contre le principe de Schengen. Je suis contre un Schengen où les pays peuvent adhérer à Schengen sans au préalable s'être mis d'accord sur la politique d'immigration commune. Parce que si c'est nous qui continuons à avoir les prestations sociales les plus généreuses, à ce moment-là, ils viennent tous dans notre pays, non pas parce qu'ils ont envie de la France, mais parce qu'ils veulent profiter d'un système qui est plus généreux qu'ailleurs. Et ça, c'est pas acceptable. Bon, j'aurais sans doute dû le dire de cette façon-là, ou pas d'une autre façon. Parce que souvent on me dit, tu sais, n'hésite pas à faire ton autocritique, hein. Mais je dis, mais bien sûr, mais si vous voulez mon autocritique et même ma critique, ouvrez le journal, il y en a des pages entières. Je vous propose, Monsieur le Président, de prendre une dernière question de la salle. Bonsoir, Monsieur Nicolas Sarkozy. Je me présente, Jérôme Espier, je suis chef d'entreprise dans le bâtiment.
C'était pour vous poser une question sur le secteur du bâtiment qui va très mal. La loi Allure pénalise encore plus le marasme économique. Par conséquent, quel est votre programme pour relancer l'investissement immobilier et éradiquer les conséquences néfastes de cette loi ? Oh ben alors, c'est très simple. La première chose, c'est... Alors là, je peux vous le dire, et je crois que c'est un point de consensus entre nous, suppression immédiate, totale et complète de la loi Allure. Et possibilité d'ériger une stèle à la gloire de Madame Duflot comme plus mauvais ministre du bâtiment qu'on ait jamais eu dans l'histoire de la République. Et c'est grave. Vous savez pourquoi c'est grave ? Parce que les emplois dans le bâtiment, on en a énormément besoin, parce que ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Parce que naturellement, quand on construit à Toulouse ou dans votre région, les gens qui construisent, qui travaillent, ils sont forcément des gens du terroir et qui vont trouver un emploi. Donc c'est une affaire extrêmement grave que celle qui s'est passée, parce que la construction est aujourd'hui complètement arrêtée. Et avec les délais juridiques, administratifs de dépôt de permis de construire, il faut de nombreux mois, voire des années, pour relancer ce secteur. Alors, je voudrais dire deux autres choses là-dessus. Nous ne pouvons plus continuer avec un système où celui qui veut empêcher de faire a tellement plus de pouvoir que celui qui veut faire. C'est pas possible. Et je parle sous le contrôle de mes amis maires. La moindre association de défense, et je comprends qu'il y en ait, peut paralyser pendant des années une municipalité lorsqu'elle veut réaliser un équipement ou des logements. On ne peut pas, à ce point, vivre dans un pays qui a horreur du risque. Alors, je vais être très prudent là-dessus, mais j'ai demandé qu'on ouvre une réflexion sur le principe de précaution. Parce que je comprends le principe de précaution lorsqu'il est une incitation, si tu veux, à mieux chercher, à mieux innover, à aller plus loin dans le progrès. Mais je ne peux pas comprendre le principe de précaution si c'est une interdiction de faire. Parce que qu'est-ce qu'on fait du progrès ? Qu'est-ce qu'on fait de la recherche ? Moi, je préfère le principe de responsabilité. Tu fais et tu assumes la responsabilité de ce que tu as fait. Au principe de précaution qui est vécu comme un empêchement de faire. J'ajoute que pour le bâtiment, je crois profondément que l'objectif qui était de faire une France de propriétaires reste un objectif parfaitement crédible et que je souhaite qu'on repense la question des délais de permis de construire, des recours devant les juridictions administratives. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les recours pour empêcher de faire, qui ne sont même pas condamnés à des dommages et intérêts, alors que sur des équipements publics, ou alors qu'on a tant besoin de logements, on a pu paralyser pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, des chantiers qui étaient des chantiers d'intérêt de la chose publique. On ne peut pas continuer comme ça. On peut pas. Moi, je suis pour la protection de l'environnement, naturellement. Je ne suis pas pour qu'on fasse n'importe quoi. Mais au fond, je voudrais vous faire réfléchir à ça en terminant. Ce n'est pas parce que le beau est subjectif qu'il faut s'interdire de parler du beau. Or, aujourd'hui, dans certaines de nos communes ou de nos administrations, il vaut bien mieux mettre en œuvre quelque chose de laid, mais de réglementaire, que quelque chose d'innovant, de beau, mais à la limite. Mais à ce prix-là, la Tour Eiffel, au revoir. L'Arc de Triomphe, ça ne va pas. La règle H égale L pour Versailles, je ne suis pas sûr que ça répond aux critères du code de l'urbanisme de l'époque. La pyramide de paille au Louvre, le débat architectural qui me passionne est un débat absolument ridicule aujourd'hui. L'autre jour, on m'a demandé « Vous aimez les tours ?»« Bah, si elles sont belles, oui. »
si elles sont moches, non. Enfin, je voulais que je fasse un exemple. Par exemple, Manhattan, oui. La tour Montparnasse. Je ne suis pas sûr. Mais je connais des tas de zones pavillonnaires qui ne sont pas belles. Ce n'est pas parce que c'est pavillonnaire que c'est beau. Et ce n'est pas parce que c'est haut que c'est bien. Si vous allez à Hong Kong, dans la baie qui est absolument stupéfiante de beauté, il n'y a personne qui dit « c'est trop dense ». Si vous allez vous promener à Manhattan, vous voyez quelque chose d'absolument magnifique et vous ne dites pas « c'est trop haut ». Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, le beau, ça compte aussi. Et aujourd'hui, les recours sont tels qu'on voit des cubes parce que il n'y a plus aucune originalité possible par rapport à l'amoncellement des règles, mais à ce côté-là, les immeubles haussmanniens de Paris, les merveilles de l'architecture qu'on voit dans le monde entier, moi, vous savez, j'ai rien contre M. Delanoë et Mme Hidalgo, mais ça me fait mal au cœur de voir que toutes les œuvres architecturales majeures, c'est Londres, c'est Berlin, c'est New York, c'est toutes les villes dans le monde entier, et pas la plus belle capitale du monde qui est Paris. Ça me fait mal de voir ça. Je ne peux pas l'accepter. Vous comprenez ? Tout ne doit pas être de l'ordre de la loi, de l'ordre de la norme, de l'ordre du statut, de l'ordre de la règle. Il faut aussi laisser de l'imagination, il faut aussi laisser la liberté. Et la gauche a trahi l'idée du progrès. C'est nous qui devons reprendre l'idée du progrès. Je ne dis pas que le progrès, c'est tout. Je dis que sans le progrès, vous ne ferez rien. Écoutez, lorsqu'il n'existait pas, vous savez, la capacité d'endormir les gens, les anesthésier avant une opération, combien il a fallu de gens qui peut-être décèdent pour qu'on arrive à cette histoire fantastique qu'on s'endort, qu'on sent rien et qu'on vous opère. Bien sûr qu'il y a des médicaments, il faut avoir le principe de la précaution. Mais enfin, si à chaque fois que quelqu'un a un effet pervers sur un médicament, je ne parle d'aucun dossier existant, pas du tout, je vais essayer de faire réfléchir sur le principe. Si on ne prend aucun risque, mais comment on va avoir le progrès de la santé ? Comment on va avoir le progrès de la culture ? Vous savez, moi j'adore tellement les artistes, je voudrais tellement que dans cette famille politique, la question de l'héritage culturel qui est le nôtre soit au cœur, soit le démarrage de tout le projet. Mais enfin, Corneille, c'est le patrimoine, quand Racine, c'était le spectacle vivant. Je veux dire que le spectacle vivant d'aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain. Et le patrimoine d'aujourd'hui, c'est le spectacle vivant d'hier. On est la France. Il y a un génie français. On est le pays de Victor Hugo, de Stendhal, de Klein, de tant d'autres chefs-d'œuvre, de Soulages. On ne peut pas simplement être assis sur notre banc en se disant « Mon Dieu, le ciel va nous tomber sur la tête ». Mais ça, c'était Astérix, il y a longtemps. Depuis, on est devenu la France, ça, c'était la Gaule. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et on a ce génie français en héritage qui doit nous faire aimer le progrès, accepter le risque. Et ça sera ma conclusion. Moi-même, lorsque je reviens dans la vie politique, c'est un risque. Mais qu'est-ce que c'est la vie sans risque ? Quand on fait des enfants, c'est un risque. Quand on s'engage dans le mariage, c'est un risque. Quand on crée son entreprise, c'est un risque. Quand on fait une carrière de footballeur, c'est un risque. Mais je le dis aux jeunes qui sont ici, quand vous vous retournerez sur votre vie, les plus beaux souvenirs, c'est les risques que vous aurez pris, pas les prudences que vous aurez eues. Parce que les prudences que vous aurez, vous allez les regretter. Vous allez les regretter parce que l'échec, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de ne pas tenter, c'est de ne pas oser, c'est de ne pas vouloir. Nous sommes la France. Nous ne sommes pas n'importe quel pays dans le monde. Et je voudrais que cette formation politique, elle porte ces valeurs-là. Ces valeurs qui sont belles. Parce que bien sûr, la solidarité, c'est capital. Mais s'il n'y a pas toute une partie de la population qui prend du risque et qui crée, qu'est-ce qu'elle deviendra, la solidarité ? Bon, ce n'était pas du tout sa question, mais si vous saviez, comme ça m'a fait plaisir de vous le dire. Je vais leur dire un mot.